Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'UICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Adam Skasinga, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast « Les rendez-vous de la conservation ». Adam Skasinga, vous êtes écologiste, militant de la faune sauvage et un enquêteur criminel spécialisé dans la faune sauvage en République démocratique du Congo. Vous êtes également le fondateur et le PDG de l'ONG Conserve Congo, qui lutte contre le trafic illégal d'espèces sauvages. Donc, bonjour Adam, je vous propose peut-être pour démarrer notre entretien aujourd'hui, c'est de vous présenter, nous dire ce que vous faites aujourd'hui, même si je l'ai brossé de façon très grossière, et nous retracer un peu votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Bonjour Hélène, c'est un plaisir pour moi d'être là et d'être suivi par vos auditeurs. Alors, je me nomme Adam Skasinga. Je suis le directeur fondateur d'une organisation à but non lucratif basée en République démocratique du Congo et qui se nomme Conserve Congo. Alors, c'est depuis 2013 que nous avions débuté avec nos activités ici au Congo. Et ça, c'est principalement pour lutter contre le fléau du braconnage ainsi que du trafic illicite des espèces fauniques et floristiques. Mais on ne se limite pas là-bas, on pousse un peu plus loin. Nous sommes beaucoup plus impliqués dans nos communautés à travers l'éducation ainsi que le développement communautaire. Alors, c'est grâce à Conserve Congo que le premier dossier judiciaire concernant la faune a été condamné en RDC. Ça, c'est vers les années 2016-2017. Et depuis lors, on a travaillé sur des centaines de dossiers qui ont été condamnés, mais on a fait de multiples saisies allant dans des tonnes d'ivoire, des tonnes de cailles de pangolins, mais aussi des centaines d'animaux vivants qui ont été soit réintroduits dans leur milieu naturel, soit envoyés dans différents sanctuaires à travers le pays pour leur donner une seconde chance à la vie. Voilà, en synthèse, c'est là où nous sommes. Merci Adams pour cette introduction. On va avoir l'occasion de revenir sur vos différents volets d'intervention. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un peu plus en détail l'organisation Conserve Congo? Quand est-ce qu'elle a été créée? Sur quelle mission initiale? Peut-être aujourd'hui le nombre de bénévoles qui y travaillent. Alors, Conserve Congo a débuté ses activités vers les années 2013. Pour le moment, nous comptons un nombre allant entre 100 et 150 volontaires à travers le pays, tous jeunes de moins de 50 ans, tous des citoyens congolais qui sont inquiétés par la situation de leur biodiversité, mais aussi le souci de protéger leur héritage naturel à travers le travail que nous faisons, qui est beaucoup plus de l'activisme, mais on ne doit pas oublier de noter notre gouvernement et l'État congolais en général qui nous soutient. Alors, on se soutient mutuellement parce que nous avons cette faune et cette flore en commun. Et alors, nous sommes tous engagés à mettre nos efforts ensemble pour protéger la biodiversité de la forêt du bassin du Congo, dont la RDC détiendrait entre 70 et 80 %. Merci, Adams. Au Papaco, on est très axé, orienté, comme vous l'avez compris, sur l'éducation. Et je sais que c'est un volet, une des missions qui vous tient à cœur chez Conserve Congo. Quels sont exactement vos champs d'action, quelles sont vos réalisations en matière d'éducation environnementale? Alors, pour le moment, nous avons un groupe d'écoliers moyennant 3 000 élèves qui sont bénéficiaires de notre engagement environnemental que nous dispensons chaque semaine
pendant 30 minutes dans 11 écoles, et ça seulement au niveau de Kinshasa. Et dans d'autres provinces, ça s'élève à 2000 élèves. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi dans d'autres provinces, il y aurait trop peu d'élèves comparativement à la grande ville de Kinshasa. Et c'est parce que nous sommes dans un pays qui est extrêmement vaste, on dirait un mini-continent. Et voyager à travers notre pays pose encore problème. Ça, c'est beaucoup plus dû au fait que nous sommes un pays enclavé, mais aussi les infrastructures qui sont quasi inexistantes. Ça ne nous permet pas de bouger et de mobiliser les communautés aussi facilement. Alors, ça prend beaucoup plus du temps que ça devrait et beaucoup de ressources également. Mais nous nous basons beaucoup plus sur le fait que on ne peut pas sauver ce qu'on n'aime pas et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et je sais que ça serait une petite frustration pour vos éditeurs de savoir que, bien qu'étant en Afrique, il y a beaucoup de jeunes Congolais, des jeunes Africains qui n'ont jamais vu un animal sauvage vivant. Et c'est ce qui, c'est sur ce point-là qu'on aimerait interpeller la communauté internationale majoritairement pour qu'ils sachent que le problème du braconnage et du trafic illicite des espèces fauniques n'affecte pas seulement la disparition de la biodiversité, mais aussi ça amplifie l'ignorance. Et du coup, par cette ignorance-là, on continue à perpétuer la disparition d'espèces, même des espèces qui sont, qui viennent à peine d'être découvertes. Ça, c'est le cas du Lesula, qui est une sorte de primate qui a seulement été documenté en 2013. Et on connaît trop peu sur l'espèce, mais curieusement, juste une année après, cette espèce est trafiquée au plus haut niveau. Et cette espèce n'est pas isolée. Alors, nous pensons que bien que le pangolin soit le mammifère le plus trafiqué au monde, dans notre cas particulier en RDC, c'est beaucoup plus les primates, les grands et les petits singes qui paient le prix. Oui, je vois. Mais vous parliez justement, c'est intéressant ce concept de dire que les jeunes générations aujourd'hui ont perdu un peu la notion de en fait, de ce que c'était la norme au niveau de la biodiversité, parce qu'ils n'ont pas connu, enfin, ils n'ont rien connu d'autre. Donc, en fait, leur norme est beaucoup plus basse que celle qu'était la génération de leurs parents et de leurs grands-parents. Et c'est un concept, celui de l'amnésie environnementale, qu'on a développé notamment dans notre prochaine newsletter. Donc, ça fait vos propos font tout à fait écho au sujet que nous traitons, que nous allons bientôt traiter dans la NAPA. Je voulais juste revenir avec vous sur vos sessions d'éducation environnementale. Comment elles sont accueillies par ces 3000 écoliers là à Kinshasa? C'est des sessions de 30 minutes qui sont basées sur des images, des vidéos, ou c'est beaucoup de transmission orale? Comment ça se passe, ces sessions? Alors, nous avons différents moyens de continuer à faire la vulgarisation de l'amour de la faune. Beaucoup plus, nous entrons dans des interactions face à face où nous qui avons des notions, nous les partageons avec ces élèves, mais nous avons des matériaux audiovisuels également. En anglais, ça s'appelle storytelling. Pour le moment, personnellement, étant un explorateur de National Geographic, je suis embourbé personnellement dans le storytelling. Et je viens de produire mon premier film. Alors, c'est le premier film sur la faune de la RDC, un film qui est produit par un citoyen congolais et qui est traduit en quatre langues nationales. C'est la première fois que cela se fasse. Et l'accueil de ces genres d'échanges entre nous et les élèves est vraiment incroyable. Et cela nous prouve à suffisance que nous avons tout ce temps négligé la nouvelle génération. Pourtant, le futur de cette même faune et cette flore repose sur leurs connaissances et façon nous allons les intéresser à cette faune qui est notre héritage reçu de nos grands-parents. Nous y allons avec des poèmes, nous y allons également avec des chansons,
Nous y allons avec des exposés. Et des fois, nous faisons des compétitions entre ces écoles, ce qui permet aux élèves de fournir beaucoup plus d'efforts, que la conservation ne se limite pas seulement entre les quatre murs de la classe, mais alors on les pousse à extendre ce qu'ils auraient appris à l'école et à ramener ça dans leur propre communauté. Et quand ils reviennent la prochaine fois, et ils ont beaucoup de questions, ils ont beaucoup de propositions, mais aussi ça nous montre qu'ils ont un certain intérêt, au point où les parents commencent aussi à s'intéresser et à nous écrire, ce qui est un signe positif et auquel on s'attendait. Donc, c'est un volet de notre travail qu'on ne peut pas négliger et sur lequel on va continuer à marteler jusqu'à ce que nous nous rassurons que le futur de notre faune et de notre flore est garanti à travers cette jeune génération. Et comme vous l'avez dit, j'imagine que les jeunes, effectivement, quand ils rentrent chez eux, ils en parlent avec la famille, les amis. Donc, il y a un impact beaucoup plus global que vous devez observer au sein de des communautés, en fait. Ça ne se limite pas enfin, seulement aux enfants et aux jeunes, mais vous avez un impact beaucoup plus global. Sûrement, ça, vous avez absolument raison. Et ça nous fait plaisir de voir que les enfants ont cette force, ont cette possibilité d'impacter même la façon de réfléchir des adultes. Et quand les enfants commencent à parler de quelque chose dans leur famille, ça suscite la curiosité de tout le monde. Mais ça ne devrait pas se limiter juste à la curiosité parce que la situation faunique et floristique, particulièrement celle du forêt du bassin du Congo, devrait intéresser tout citoyen qui y vit parce que notre futur, notre vie actuelle, y dépendent très étroitement. Merci Adam. Je voudrais juste revenir un peu plus en profondeur sur le sujet du braconnage. Vous avez parlé des primates, des rhinocéros, des pangolins qui en sont victimes. Vous avez mis en place beaucoup d'initiatives au sein de Conserve Congo. Est-ce qu'il y a des succès ou des défis particuliers que vous souhaiteriez partager aujourd'hui avec nos auditeurs? Alors, il y a plusieurs histoires de succès et de défis que j'aimerais bien partager avec vos auditeurs. Et là, je vais commencer par les défis. Le plus grand défi auquel nous faisons face, c'est beaucoup plus les défis de la bonne gouvernance à travers la corruption. Alors, en Afrique en général, la corruption, des fois, ça paraît comme une seconde nature. Et la corruption est un défi parce que c'est la seule chose qui défie, en fait, la pesanteur. C'est la seule chose qui va du bas vers le haut. Et du coup, vous n'avez nulle part ou aller accuser la personne qui est impliquée dans ça parce que il est en train de nourrir la personne qui est au-dessus de lui. Et dans ces cas, nous avons eu des stratégies en place pour combattre ça, en nous faisant des alliés au sein du gouvernement, au sein de la communauté internationale. Et bien que nous essayons pas mal de gérer la situation à ce stade, mais qu'à cela ne tienne, cela demeure un défi remarquable. Il y a aussi le défi de la sécurité alimentaire, et ça, beaucoup de personnes à travers le monde sont encore incompris là-dessus, parce que la faim qui n'a point d'oreille, des fois, ça affecte nos communautés à une très grande majorité. La RDC étant un pays indépendant, mais jusqu'à aujourd'hui, notre gouvernement dépense entre 3 et 4 milliards de dollars juste pour exporter de la nourriture pour nos communautés. Et la plus grande partie de cette nourriture provient des pays voisins, mais beaucoup plus de l'Asie et de l'Europe. Ainsi, ceux-là qui ne sont pas à mesure de payer cette nourriture qui est beaucoup plus coûteuse, ils sont obligés de rentrer au lieu naturel où nos ancêtres sont toujours allés pour se ravitailler dans la forêt.
Mais malheureusement, la loi interdit cette interaction. Et curieusement, notre gouvernement et l'État congolais en général ne vient pas au secours à ces communautés-là. Et des fois, nous sommes accusés, étant des activistes phoniques, de donner beaucoup plus de la valeur aux animaux qu'aux humains. Et au début, cela, ça ne se comprenait pas, jusqu'à ce que nous avions commencé à faire des descentes sur le terrain et nous comprenons qu'il y a besoin d'équilibrer les choses. On ne peut pas tout le temps se focaliser sur la faune, parce que la faune elle-même est indépendante. On a juste raison de les laisser tranquilles et ils peuvent se gérer, comme moi je les appelle les jardiniers de la forêt. Mais les communautés ont vraiment besoin de nous, que ce soit un soutien au niveau national ou au niveau international. C'est aussi une manière de protéger la faune et la flore quand nous prenons soin de ces communautés-là. En troisième lieu, je parlerai de fonds, de finances. Alors, au niveau international, c'est tout le monde carrément qui parle de du braconnage, du trafic illicite des espèces fauniques et floristiques. Mais quand il s'agit de mettre la main sur la pâte et de contribuer, on a trop peu de contributions. Pourtant, tous les pays qui ont vraiment besoin de cette assistance-là, selon moi, ils n'en ont pas, notamment la RDC, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad. Ce sont là les pays qui ont le plus besoin de ce soutien-là. Mais malheureusement, parce que ce sont des pays à problème, ce sont des pays où la vie est un tout petit peu dure, personne n'en parle et personne ne veut y aller. Alors, ça nous laisse à nous, les citoyens de ces pays-là, de se prendre en charge, bien que difficile, parce que seul avec les paroles, on ne peut rien faire. On a quand même besoin de ce soutien-là pour qu'on pousse de l'avant et que le braconnage et le trafic illicite en général soient des choses du passé. Donc, je ne peux que partager ces défis-là. Mais il y a aussi des succès. Par exemple, pour le moment, nous sommes parmi les peu de pays où la société civile, les organisations internationales, ainsi que notre gouvernement, nous nous mettons ensemble et nous, présentement, nous sommes en mesure d'adresser ce fléau à l'unisson avec une seule voix. Il y a 5-10 ans, ce n'était pas le cas. Alors, on y allait dans un sens dispersé. Il y avait même des petits conflits d'intérêts, mais aujourd'hui, je vois que la méthodologie utilisée et employée dans cette lutte est en train de se valoir beaucoup plus efficace. Parlant aussi du succès, je peux vous dire que si vous rentrez en RDC, quel que soit là où vous vous trouvez, on va vous parler du braconnage, on va vous parler du trafic illicite des espèces fauniques, mais on va aussi vous dire qu'il y a une petite organisation qui s'appelle Conserve Congo, et s'ils vous attrapent, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Et c'est ce que nous voulons inculquer dans notre communauté, que la loi ou les lois qui régissent la conservation de la nature en RDC n'est pas juste un simple conseil. C'est une loi efficace et qui marche, et que si vous brisez la loi, vous allez nous trouver sur votre passage et vous allez payer le prix. Et donc, cette peur-là, ça crée une sorte d'un refuge pour ces animaux. Et on a vu des petits changements qui viennent petit à petit. Sur ce même point-là, Conserve Congo a été impliqué dans beaucoup d'autres dossiers. Et nous sommes porteurs de plusieurs certifications et reconnues au niveau international. Au début de cette année, j'ai été invité personnellement par le secrétariat de CITES, qui fait partie des Nations Unies, de la Convention des Nations Unies, qui protège le commerce international des espèces en danger. Et c'était pour parler de la situation des ressources, beaucoup plus des minéraux, et comment est-ce que cette situation affecte notre faune et notre flore.
Et quand on commence à nous donner cette oreille-là pour nous écouter, ça nous fait du bien parce qu'on passe le message exactement tel qu'il est, mais aussi ça met un petit frein sur la situation qui prévaut où nous sommes tout le temps représentés. Il y a toujours des gens qui parlent à notre nom, comme si on n'existait pas, comme si notre opinion ne faisait pas sens. Mais petit à petit, on se rend compte que des journalistes tels que vous et d'autres à travers le monde commencent à donner aux sociétés, à la société civile africaine et congolaise en particulier, une plateforme où on s'exprime et on exprime les besoins tels que nous les ressentons. Jadis, c'était juste un cas de où on nous imposait tout. Il y a des décisions qui se prennent à Paris, il y a des décisions qui se prennent à Washington, sans l'implication des communautés locales. Et c'est pour cette raison que ça a pris longtemps. Ça nous a pris entre 30 et 40 ans pour comprendre le problème. Et ainsi, quand on ne comprend pas le problème, on a investi dans des choses qu'il ne fallait pas, juste parce qu'émotionnellement, quelqu'un voulait juste soutenir telle ou telle chose, mais pas nécessairement selon les besoins du pays, les besoins de la faune et de la flore, ainsi que des citoyens vivant à côté d'eux. Merci. Merci Adam, c'est passionnant de vous écouter. Vous l'avez un petit peu dit, mais comment aujourd'hui les communautés locales perçoivent ce commerce illégal? Vous avez parlé de sécurité alimentaire, mais je pense que les mentalités évoluent grâce notamment aux actions de Conserve Congo et puis d'autres organisations de la société civile qui sont engagées sur le terrain au quotidien. Est-ce que, enfin voilà, c'est quoi aujourd'hui la perception par les communautés locales de ce commerce illégal? Alors, les communautés, ils comprennent. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, mais ils sont toujours dans cette situation où ils sont coincés entre survivre et protéger la faune. Et vous savez la position humanitaire où est-ce qu'on serait. Et c'est pour cette raison que je me dis que pour une fois, peut-être, il fallait aussi donner la chance à nos communautés. Et j'ai même fait une petite blague, mais moi je ne blaguais pas. Ça a paru comme une blague, mais c'est pas vraiment une blague. Et j'ai dit ceci: si on prenait juste la moitié de tous les fonds qui sont injectés dans les aires protégées en RDC et que on investissait ça dans nos communautés et qu'on demande à tout le monde de dégager ces aires protégées, après 5 ans, les animaux vont sortir de la forêt pour venir voir ce qui se passe dans les villages. Parce qu'ils vont prendre leur temps de se multiplier. Les gens qui sont occupés au niveau du village à créer des routes, à faire les champs, à faire des activités de développement dans leur propre milieu, ils n'auront plus le temps de rentrer dans la forêt. Au niveau international, on nous a toujours fait croire que les Africains, c'était des gens qui adoraient rentrer dans la forêt, aller bouffer les animaux, mais notre expérience sur le terrain nous dit le contraire. C'est extrêmement difficile de rentrer dans cette forêt, d'y survivre et de sortir avec du gibier. C'est vraiment une casse-tête. Et pour que quelqu'un y aille, il doit être soit désespéré ou ne pas avoir d'autres options. Ainsi, si on peut faciliter la vie dans des villages qui sont juste tout autour des aires protégées, je ne dis pas que c'est l'ultime solution, mais ça ferait partie des points majeurs dans cette lutte. Et je suis sûr que ça changerait la donne de notre flore et de notre faune au fil du temps. Je pense que vous avez effectivement raison, même si effectivement la question globale est assez complexe de toute façon à appréhender, mais vous avez apporté je pense, une bonne partie des réponses. Je vois que le temps file, Adams, on s'était fixé une demi-heure pour cet entretien. J'avais peut-être juste une avant-dernière question. On parle souvent de l'usage des nouvelles technologies dans la protection des espèces sauvages et dans la lutte contre le braconnage. Est-ce que chez Conserve Congo, ce sont des pratiques que vous avez pu tester et approuver cet usage de voilà, les stratégies innovantes, l'usage des nouvelles technologies?
Oui, bien sûr. La technologie est une partie importante du travail que nous faisons. Par exemple, juste le téléphone mobile tel qu'il est. Nous, on ne travaille pas avec une technologie vraiment avancée. C'est juste une technologie de base, mais qui a prouvé d'être efficace. Nous avons WhatsApp, une petite application, mais qui vous permet de communiquer à distance, même là où il n'y a pas de réseau aussi longtemps que vous avez accès à l'Internet. Vous pouvez communiquer sans problème. On utilise des applications que je ne peux pas mentionner ici pour nous aider à déchiffrer, à décoder, mais aussi à analyser les données. Nous utilisons des applications pour créer des bases de données également, mais aussi pour partager ces données avec nos partenaires à travers le monde. Et nous utilisons aussi certaines technologies pour faire des suivis, pour faire des biomonitoring. Mais on doit aussi admettre que la même technologie, des fois, joue contre ce que nous faisons. Parce que les ennemis de la flore aussi utilisent la même technologie. Les sociétés minières illégales, qui sont très nombreuses au niveau de la RDC, continuent à exploiter notre sous-sol. Et ça va souvent de pair avec l'exploitation des enfants, l'exploitation des femmes à travers la prostitution. La situation à l'est de la RDC qui est productrice de la plupart des minerais stratégiques du monde, mais qui n'en bénéficie presque pas. Vous avez le lithium, vous avez le coltan, vous avez l'or, les diamants, qu'on entend juste parler et qu'on n'a jamais vu, on n'en bénéficie presque pas. Et souvent, il y a des gens qui se demandent, est-ce que nous sommes même préparés à parler de la technologie? Est-ce que nous sommes même préparés de parler de la conservation de la nature si on n'a pas encore adressé le problème des minerais en RDC? Parce que ce sont aussi des ressources. Et si on ne peut pas bénéficier de ces ressources minérales, comment est-ce que vous allez convaincre la population que, étant dans un bon état, il pourrait aussi bénéficier de la faune et de la flore? Donc, ce sont là les quiproquos que nous devons encore adresser. Mais je suis sûr et confiant que, avec les efforts communs que nous sommes en train de fournir, et si d'autres personnes et organisations pouvaient se joindre à nous pour que nous adressions ces problèmes en commun, on va changer beaucoup de choses. Mais ça doit prendre des approches différentes et complexes. Tout celui qui va pointer son petit doigt en l'air et dire qu'il a la pilule magique qui va changer les choses du jour au lendemain, cela serait une blague. Mais pour le moment, nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde a une place pour essayer comment, de renforcer nos capacités pour faire face à ce fléau qui se trouve devant nous. Merci. Merci Adams, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on a, voilà, on a pu aborder tous les points que moi je souhaitais aborder aujourd'hui avec vous et je suis sûre que voilà, ce témoignage va beaucoup intéresser nos auditeurs. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un dernier message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui? Ouais, le seul message que je puisse passer aujourd'hui, c'est de répéter juste ce que je viens de dire. Selon Conserve Congo, nous pensons que les trois approches essentielles pour le moment, particulièrement pour la RDC, c'est de combiner le renforcement de la loi que nous faisons. Mais on ne peut pas renforcer de la loi sans connaître si les gens ont accumulé cette loi ou pas. Sinon, on va les juger par défaut. Quelqu'un qui n'a rien comme survie, lui donner encore une peine de prison, il sera un prisonnier difficile à réhabiliter et on va créer un second problème dans notre société. Alors, selon Conserve Congo, combiner la sensibilisation et l'éducation de communauté, le développement communautaire ainsi que l'application de la loi, c'est la formule magique qui va changer les choses. Et tant que nous ne sommes pas d'accord en tant que membre de la société civile, l'État congolais, ainsi que les organisations environnementales internationales et tous les autres amateurs de la faune et de la flore, cela restera un rêve. Et pourtant, ce n'est pas aussi difficile que ça.
Alors, pour le moment, la seule chose que nous pouvons dire, c'est d'essayer aussi de sensibiliser un plus grand nombre de gens. Parce que quand nous commençons à avoir la même réflexion, cela nous rapproche un peu plus. Et ainsi, nous aurons une seule voix de changer les choses parce que nous ne les faisons pas seulement pour nous. Peut-être que le résultat de ce que nous faisons sera visible après 2 ou 3 décennies. Mais nous sommes quand même prêts à être patients, mais aussi à préparer cette jeune génération pour que finalement, ils gèrent ça et qu'ils soient à mesure de trouver plaisir que leurs grands-parents ont aussi fourni des efforts pour sauver et préserver leur héritage national. Merci beaucoup, Adams. Merci pour votre temps aujourd'hui et pour ce témoignage passionnant qui, j'en suis sûre, va inspirer nos auditeurs. Je vous Je remercie. vais vous remercier beaucoup plus et s'il vous plaît, continuez à parler de la forêt du bassin du Congo comme étant le deuxième poumon de la planète et que préserver la forêt du bassin du Congo, c'est à moitié préserver la planète. Car jusqu'à présent, la plupart, du monde pense que c'est juste un problème africain qui doit se résoudre par les Africains. Mais plutôt, c'est un problème global. Et qui a besoin d'une approche globale, mais avec des actions au niveau local? Merci beaucoup. Merci Adam, c'est compté sur nous pour relayer ce message sur tous nos canaux. Je vous souhaite une bonne Merci. journée et une bonne continuation. Merci beaucoup, pareillement à vous. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.